papa Fumalongo, a monyete, tango, oyo papa, se moki mango, a te sakaye, et que l'ingomba, fo edima epoki. Mais tango, on a toujours la époque coloniale, ba belge. Yenge ni la communauté de Kambongo. Yé, moko papa, se moki mango, a yipsi na papa Fumalongo, et que ngonga, ya te panza, bien sûr, ici, el koki, c'est koki. Donc, soki bako bomba yo. Ce qui n'est pas le plus de tango, et coquille. Ah, à la tango, on a si goyo, papa, on fait mon on a la qui obligé à recommencer à Mikanda, et pas y a, pas qui m'agis, qu'on s'en a l'état, d'un gay, et vous t'y connais pas. Mikanda, on a donc, y a un gros, le bon va quand même. Dis, alors. Ah, on tangue la vie sur y a un gros. Même d'après, ça dit que tu as voilà. Il y a un peu de papa dit papa dit Sangoye. Papa dit Sangoye. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de mais là, qui s'est en mode, il y a un mot de connexion, malheureusement. Donc, on a mis le lobby, d'accord, on a mis la biseau, malgré Ming, donc, le baquet a apporté du loup à Konya, il n'est pas menti. Encore, vous connaissez un gâteau là, donc, le donc, une fois en cas, il y a un gâteau. Oui, papa. Merci beaucoup, papa. Pour ça, la lecture à Mukanda, la petite bisson, la combat, la on a pu t'attendre au Limo Centre. Mbanzangoyo, le 29 janvier 1959. Monsieur le gouverneur général de et à Léopoldville Est. Monsieur, nous avons l'honneur de vous solliciter la personnalité civile en faveur de la religion définie ci-après. 1. Dénomination de la religion. Église de Jésus-Christ sur la terre par son par les prophètes Kimango Simon. Des objets. Son but est de répandre comme toute bonne religion le lumière de l'évangile libérateur. Il enseigne à la lumière de la Sainte Bible par les pouvoirs du Saint-Esprit l'amour du bien, l'horreur du mal, la pratique de la vérité et de la justice divine. Il exalte la pureté morale, l'attachement à toutes les pratiques susceptibles de favoriser la paix et les progrès. La charité et les rapprochements des hommes sans distinction de race, de couleur ou d'origine. Enfin, il s'efforce de montrer l'importance qu'il y a pour les hommes d'être réconciliés avec eux-mêmes, avec leurs proches et par là avec l'Éternel, leur Créateur Tout-Puissant, tout souverain, maître de l'univers, à qui toute créature doit louange et adoration, amour, vénération par-dessus de tout. Le kimbanguisme se regarde de toutes tendances à caractère politique qui sont de loin incompatibles avec les rôles exclusivement spirituels qu'il entend jouer au sein de l'humanité. Il laisse ses portes ouvertes aux personnes de toute race désireuses d'y adhérer. 3. Siège administratif Kamba, social Léopoldville. La religion désigne pour une durée indépendante, une durée indéterminée, comme représentant légal monsieur Yenda Joseph. Profession commis résident à Léopoldville, rue de Moncoto numéro 87, province de Léopoldville, de la représenter tant auprès des autorités gouvernementales que toute autorité nationale ou étrangère, tant pour la défense des intérêts de la religion que pour sa sauvegarde. Le disciple de Kimbao Simon, Nzoma Boujan, Vouvoua Jacques,
Mingana Levi, Mpaka Joseph, Mabadika David. Nabande de soukiwa na. Wana gaga gu. Mwako chako la mpatante tu, hein? Se mbanda nuku kwa mbanda nguyo. Mbanda nguyo bako nitapa. Kuna la tele angeye. Presque yoye. Donc, wana me e bande li. Et aller bomba. Na papa d'engenda à Mona. Ah. Papa n'a pas bandé la dengue ni. Papa Simouki Bangan, papa Simouki Bangan l'oubliette, n'a la lobby, cotonne cambois. Ah. Il va pas pour moi, donc papa d'engenda Goutima. Ah, coquille comme il a qui s'appelle, Yango. Tomonyeje batuana o baeko sinye mukanda wana wepe epe sa akse na papa mfumalongo wete akwa na likambo na ye papa yambu ya uzi ya kupewa makashi mbukuloha uza na likambo ya kubakisha merci papa na yango qui te met ce bandit dans le caca? Et bandit qui te voit? Bon, si vous voyez, tout le monde a mal au balayé, mon papa me fout mal, mon papa a gagné la route, il m'a dit, oh, il a dit, après ça, il a presque souhait, il a papa gagné le pan à biso, et il a dit, mini, tout le monde a dit. Oh, bah là, il faut que mon beau fanda, il faut que je passe. Donc, on va voir si on a un gars. On va voir ça. 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 Donc, on va voir si on a un gars. On va voir ça. 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 Kwata yiba na disusu te ndeye azali ndabe. Makuloba kambala na mara. Kwa za kumuna ka mamandumba kwa ya zana ngayi. Akamati iloko moko ati pembeni na munoko na ngayi. Kwata yi luba moko te ekwe na mabele. Ya lingete maluba maa tongana zali kupesa wa eyi ngele nakati na arimitre. Arimitre wana ngayi na kugugu kufa. Kati makabu matikali oyo mkusa zero kukoma manso na zero kudubaka makumi ya hona kati na mukanda omoni mafotografu batundi kwa sebazi wakabilini na zai batika na nengo oyo tumeyafu tume kameramen ye azali kuzwaka bamovuma nyonso tu nazali kusalila azwa yango mami sokonga na kofi bakutala bisusu babilili wani zali kubunzi ezali kusala makambo maso kati nazalike lakini akenaka nikola bamona kina sibima makamale kati na 1960 awa tangu tuyaka kuzambika papa bomoni yango na 1980 na sanza ya Oktoba na tina nini bomoni yango kwamba te zali kaka bikamulisi eleki kati mokolo mosusu bana wanusu wakulubee te kamba ya kujantika papa kena makamale kaki batu nusu wakundima te kati balaki sinema batu badimi. Je comprends donc que la mission que la vôtre est la mission la plus difficile. Pourquoi je la qualifie la plus difficile? Parce que je ne sais pas, dans un petit calambouille là, réellement, dans un petit calambouille là, je ne sais même pas comment le qualifier. Il a eu l'initiative d'accepter ce que j'avais voulu
que ce soit notre premier départ. Si pendant la période du Christ, il y avait des cinéastes, il y avait des photographes, et comme il y avait des journalistes tels que vous l'êtes aujourd'hui, je crois qu'on aurait connu une certaine situation plus stable que celle que nous connaissons actuellement. Mais pendant la période où le Christ vivait, les photographes n'existaient pas. Si nous constatons certaines images qui sont vraiment belles et qui présentent, on dirait, la réalité de la physionomie du Christ, ça, ce sont des images qui ont été faites à la main par les gens que je qualifie belles tirées, et c'est comme ça que nous voyons les belles images. Pendant la période de Papa Simon Mbango, réellement, il y a eu des photographes. Mais les circonstances aussi, pour lui, étaient un peu plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas bénéficié de ces mêmes privilèges que nous avons d'être plus ou moins libres. En tant que prisonnier, il ne pouvait pas se faire photographier, d'ailleurs, c'était interdit. Et les dernières photos que nous avons, ce sont justement les toutes dernières, du fait qu'elles ont été faites à partir de 1951 seulement. Et c'est grâce à la générosité d'un frère, c'était noir, c'était un blanc, qui était le gardien de prison. Et qui, voulant nécessairement garder certains souvenirs de papa, a donné l'appareil de photographie à son enfant. Et c'est son enfant de 9 ans qui a fait la dernière photo que vous détenez presque nous tous. Nous avons ces dernières photos. Celles d'avant 1921 et celles qui ont été faites en 1921 même ont été saisies. Et ça se trouve certainement dans beaucoup de dossiers en Europe et en Belgique. Aujourd'hui, les images, telles que vous voulez expliquer les images de Papa Simon Mbango. Premièrement, quand vous voyez ce que Karamboul a réalisé, je peux le qualifier comme mystère. J'ai acheté l'appareil parce que j'ai bien voulu rendre vivante notre histoire, le démarrage. J'ai payé l'appareil et je l'ai donné à Karamboul. Débrouillez-vous. Réellement, et quand je vois ces images, j'ai des souvenirs inoubliables. Parce que je suis parti d'une idée. Nous avons voulu rendre vivante l'histoire du prophète Simon Mbango, c'est l'histoire du Kimbangisme en soi. Parce que quand vous voyez que tous ceux qui nous ont précédés, que ce soit du côté catholique, que ce soit du côté protestant, je crois qu'ils n'ont pas eu les mêmes intentions que nous avons. Et c'est bien sûr, ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient derrière eux, le gouvernement. Le gouvernement pouvait facilement leur faciliter toutes les tâches. C'est-à-dire que nous nous sommes sentis abandonnés à nous-mêmes. Il fallait un démarrage avec zéro. Et nous sommes partis de zéro. Et vous autres, vous venez de partir réellement de zéro. Puisque vous n'avez rien. Mais il nous a fallu une certaine expérience de 20 ans pour arriver au stade où nous nous trouvons. Cette chose à son temps. Voyez-vous, après 20 ans, je suis un peu de très près. C'est que nous avons fait comme réalisation. Eh bien, ce n'est pas facile. Si vous êtes dans les régions, il n'y a rien. Les gens sont de Bordeaux, on a fait l'appareil de photo, un enregistreur, et quelquefois on vous achète des papiers pour vous permettre de suivre les nouvelles quand vous voyagez avec les représentants. Et que parti, là, vous prenez note de tout ce qu'il dit, et vous photographiez, et rien n'empêche qu'à un moment donné, que vous fasse un effort pour vous trouver une petite caméra, et vous allez commencer à filmer et rendre vivantes les images, et ainsi de suite. Un jour, on vous achète un groupe électrogène comme nous voyageons, et à un moment donné, on vous achète un projecteur. Tout ça, ça va combler le vide. Mais il vous faut une certaine patience. Vous n'avez pas encore été compris, mais vous serez compris plus tard. Heureusement que vous observez ça, et que je félicite votre courage, malgré que de temps en temps, franchement,
vous vivez peu certaines situations qui vous donnent un certain découragement. Mais comme je vous l'avais toujours dit, sans cette volonté de travailler pour le Christ, il vous est difficile de travailler au sein de notre institution. Mais vous avez tenu le coup, et aujourd'hui, voilà. Vraiment, je suis content de voir ce que vous avez fait. De l'initiative que vous avez eue d'inviter ces jeunes gens pour qu'ils puissent être ceux dans les régions qui doivent être les véritables journalistes pour essayer de notre institution tout ce dont nous avons besoin. Vraiment, je suis très 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 fier, mais il y a des choses que je ne vous dirai pas ici. Mais la patience passe au premier plan. Nous devons avoir la patience du Seigneur. Si quelquefois, malgré qu'on nous traite de tout, nous restons financiers, c'est parce que nous voulons vivre réellement la présence de Dieu à nous. Si vous n'avez pas la patience, c'est difficile de travailler chez nous. C'est vraiment difficile. Et Bobé vous l'a bien expliqué, il ne faut pas être désorgueilleux. Et je suis fier de constater qu'il y a des universitaires parmi vous. Eh bien, en votre qualité d'universitaire, et quand vous allez vous trouver à côté de celui qui n'a pas fait de haute étude comme vous-même, il ne faut pas minimiser sa personnalité. C'est une erreur. Ça, c'est de l'orgueil. Parce que nous devons jeter loin de nous de l'orgueil. Ça ne nous honore pas. C'est ça qui a fait dégringoler sa femme ici. Et si aujourd'hui nous souffrons, c'est à cause de l'orgueil. Et ce n'est pas simplement le façon. Adam et Eve, à cause de l'orgueil, eh bien, vous avez suivi un cantique en Kamba et je vous ai entendu chanter l'autre jour. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler de ça. Vous pouvez chanter ça? Vous chantez. Alors, Dieu nous a aidés et il va vous aider aussi. Nous espérons que le meilleur résultat, nous les observons, puisque nous sommes à côté de celui qui doit nous épauler. Il est toujours à côté de nous. Heureusement que nous vivons de sa présence continuelle. Je peux vous dire que mon concours vous est acquis et je vous demande purement et simplement d'être très poli, d'être très gentil et vous devez être le modèle. Parce que nous ne sommes pas des orgueilleux et nous ne devons pas l'être. Parce que ça va nous éloigner de Dieu. L'information. Je vous expliquerai ce que c'est. Nous ne sommes pas des orgueilleux. Donc, ce qu'on est là, ce qu'on est là,